Bonsoir euh, ou bonjour, euh, ça dépend de l'heure à laquelle euh, vous suivez cette vidéo. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue dans votre euh, émission. Il est minuit et euh, nous sommes sur TV et radio de vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour mes frères et sœurs qui sont connectés, qui suivent cette vidéo, Papa. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est Sauveur, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, on va rapidement prendre un passage dans Jean chapitre 4 à partir du verset 1 Le Seigneur su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Or, il y avait là la fontaine de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la sixième heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Pardon. Et Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit et lui dit, Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre Père, qui nous a donné ses puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus répondit et lui dit, Quiconque boit de cette eau-ci si, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus, plus, plus puiser ici de l'eau. Jésus lui dit, Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, Tu as bien dit, Je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit Moi, je suis qui te parle. Sur cela, ses disciples vinrent, et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu oh, Pourquoi parles-tu avec elle? La femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent donc de ville de la ville et vinrent vers lui. Cependant les disciples priaient disant, mange, maître. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se demandaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus lui dit, leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et euh, le verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous dis, Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et ce que l'on dit d'ordinaire est vrai en ceci. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 38. Or, plusieurs... Des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura là deux jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme :« Ce n'est plus à cause de, la, de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. » Et euh, voilà. Donc euh, le verset euh, et euh, verset 40 nous dit quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là deux jours. Et, euh, et ça c'est magnifique. Et, euh, et les Samaritains qui étaient déconsidérés par beaucoup de Juifs, qui étaient traités comme euh, des sous-hommes parce que c'était un peuple un peu un peuple métissé. Voilà. Et euh, il y avait un métissage entre le reste de dix tribus que le roi Salman roi d'Assyrie, au 8 siècle avait laissé en Israël, parce qu'il avait transporté euh, les Juifs euh, de, qui faisaient partie de dix tribus qui formaient le, le royaume du Nord, dont la capitale était la Samarie. Et, euh, parce qu'il y, y avait le schisme à l'époque, il y avait la division entre euh, les Juifs. Il y avait le royaume du nord, euh, c'est-à-dire Israël, dont la capitale était la Samarie, et le royaume du sud, c'est-à-dire Juda, dont la capitale était Jérusalem. Donc Samanazar arrive euh, en 722, il prend et euh, les dix tribus, justement, il va les déporter euh, en Égypte, en Assyrie, à Babylone, un peu partout, et euh, il va laisser juste un petit peuple, euh, voilà, et ce peuple qui est resté euh, en Israël, dans la Samarie, des juifs, bien sûr, ont commencé à adorer d'autres divinités et Dieu a commencé par les frapper. Et Salmanazar va amener des Égyptiens, des Assyriens, des Syriens, tout ça, euh, en Israël et il va y avoir un métissage, un mélange, et ça a donné les Samaritains et les, les Juifs, c'est-à-dire ceux de la tribu de Judas, euh, quand ils sont revenus de l'exil babylonien. Ben, il ne considérait plus les, 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 les Israélites, donc ceux qui habitaient le royaume du Nord, parce qu'ils disaient que c'était des Samaritains, c'était des, des, des métissés, des, des mélangés. Et donc il n'y avait pas de relation en effet entre les Samaritains, donc les métisses, euh, hébreux et d'autres peuples, et les Juifs. C'est pour cela que la femme samaritaine, quand Jésus-Christ, en tant que Juif, euh, Jésus-Christ homme, lui demande à, à boire, la réaction de la femme était tout à fait, euh, comment dire, une réaction euh, était une réaction euh, naturelle, dans le sens où il n'y avait pas en effet de relation entre les Juifs et les Samaritains. Voyez, les Samaritains, euh, rappelez-vous bien, une fois le Seigneur voulait passer par la Samarie et les Samaritains ne l'ont pas permis, ne voulaient pas qu'il traversent par la Samarie, qu'il passe par la Samarie. Et Jacques et Jean ont demandé à ce que le Seigneur euh, euh, envoie le feu. Ils voulaient prier pour que le feu tombe du ciel pour le consumer. Vous voyez, parce qu'il y avait une animosité entre, entre les deux peuples. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est au-dessus de toutes ces considérations. Il ne regardait pas à l'apparence des hommes, gloire à Dieu, sinon nous autres, là, nous ne serions pas euh, sauvés aujourd'hui. Gloire à Dieu, toute la, toute la gloire nous revienne. Donc Jésus-Christ envoie les douze apôtres chercher à manger, parce qu'ils savaient qu'ils étaient, bien sûr, nationalistes, certainement racistes, avant d'être revenus de la puissance de l'Esprit et, euh, et d'être transformé véritablement. Donc, il a pris le soin de les envoyer tous faire des courses parce qu'il savait qu'il allait rencontrer cette femme. Non seulement les Juifs et les, les apôtres du Seigneur, avant d'être transformés, étaient euh, nationalistes, un peu, même beaucoup, euh, donc racistes. Et euh, mais en plus de cela, ils étaient aussi machos. Donc, euh, une femme euh, parlait avec une femme. Euh, oula, voilà. Et là, le Seigneur est chou, hein, notre Seigneur est Sauveur. Non seulement il n'est pas, euh, mes amis, euh, racistes. Et Dieu, notre Créateur, bien sûr. Et encore moins, il ne va, mes amis, déconsidérer la femme ou les femmes. Et parce qu'il aime tout le monde. Et, voilà. et là, le Seigneur commence à parler à cette femme. On nous dit Jésus fatigué du voyage. Donc Jésus-Christ est son homme. Donc il va s'asseoir au bord de cette fontaine, cette fontaine. Et cette femme qui arrive, qui était dépassée par les événements, qui avait connu cinq mariages et certainement cinq divorces ou cinq euh, décès de mari. En tout cas, euh, et on nous dit que le sixième homme n'était pas son mari, certainement c'était le mari d'autrui. Si ce n'était pas sa, son mari, forcément, c'était le mari d'autrui. Cette femme était non seulement samaritaine et euh, en plus femme, et troisièmement, elle était, elle avait piqué le mari de quelqu'un d'autre. Donc elle avait, il y avait trois choses qui auraient pu, n'est-ce pas, empêcher euh, euh, Dieu de la visiter. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur, parce que Dieu voulait la sauver. Dieu veut sauver les hommes. En dépit de leur euh, tard, de leur euh, faille, de leur péché, Dieu veut nous sauver tous. Et là, le Seigneur ne s'est pas arrêté sur le fait que cette, cette, cette personne était une femme, sur le fait qu'elle était samaritaine, sur le fait qu'elle était, mes amis, euh, dans l'adultère, sortant avec le mari de quelqu'un d'autre. Et là, Jésus lui dit, « Femme, donne-moi à boire. » C'est quand même terrible. Et la femme dit, « Vous avez vu sa réaction Oula, il n'y a pas de relation entre vous et nous, entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Et le Seigneur commence à parler avec, et la femme réalise qu'elle avait en face d'elle un, un vrai prophète, ou je dirais le prophète, par excellence. Et la femme réalise que le Seigneur est le vrai prophète, celui qui devait venir, et Jésus lui dit Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, beaucoup adorent Dieu sans le connaître, et. La femme laisse sa cruche et va crier dans toute sa ville en disant, venez voir un homme qui m'a tout dit. Donc cette femme n'a pas parlé d'elle, n'a pas parlé de son, de, de son affaire, de, 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 de son ministère, mais elle a parlé du Seigneur. Et ça, c'est un message qu'on doit aussi, euh, mes amis, faire passer. Nous devons parler plus du Seigneur que des hommes. Ça, c'est très important. Et les Samaritains, nous disent euh, la, la Bible, vont effectivement venir voir le Seigneur et ils vont dire à... à, 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 à c'est écrit que les Samaritains vont croire au Seigneur suite à la parole que la femme avait dite. Et ensuite, quand ils vont l'entendre eux-mêmes, ils vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous, 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 nous l'avons entendu et vu. Et c'est ce que beaucoup doivent faire. Nous, nous vous prêchons la, la, la parole. Mais ne vous arrêtez pas sur nous. Ne parlez pas de nous. Parlez du Seigneur, frères et sœurs, s'il vous plaît. Pas d'idolâtrie. Pas de fanatisme. Parlez du Seigneur. Dites, Jésus a dit, la Bible dit, et non, euh, le frère a dit tel, non, les Écritures disent, c'est ce que nous vous disons, c'est ce que nous vous apportons comme évangile. Et les Samaritains ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de toi, c'est à cause de, 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 de lui-même, c'est parce que nous l'avons entendu. C'est ça le message, on vous présente Jésus-Christ, vous devez avoir une relation avec lui et non forcément avec nous, mais avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Nazaréen. Et les, les, les Samaritains qui étaient déconsidérés par les Juifs vont demander au Seigneur de rester encore deux jours, de rester encore avec eux. Et Jésus resta deux jours supplémentaires. Vous avez vu, frères et sœurs C'est-à-dire qu'ils avaient tellement soif qu'ils ont retenu le Seigneur. Et c'est ce qu'il faut faire. Contrairement aux, aux, aux habitants de Gadara, qui, n'est-ce pas, avaient supplié le Seigneur de quitter leur territoire, les Samaritains, eux, ont demandé au Seigneur de rester chez eux parce qu'ils voulaient entendre encore sa parole, recevoir encore sa parole pour être éclairés, pour être délivrés, pour être guéris. Et nous sommes appelés, mes amis, à demeurer avec le Seigneur, comme le Psaume 91 le dit. Celui qui demeure euh, sous la couverture du, du Très-Haut euh, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, nous devons demeurer avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur, suivre le Seigneur, mes amis, et nous, vous présentons Jésus Christ, vous, vous le, vous, une fois que vous l'avez découvert, ben, ne vous arrêtez pas sur nous. Parce que vous allez être déçus. Parce que nous ne voulons pas forcément, nous ne pouvons pas forcément répondre à tous vos besoins. Mais par contre, Jésus Christ, lui, il peut répondre à tous vos besoins, à toutes vos attentes. C'est pour cela que nous voulons vous présenter le Seigneur Yeshua. Et c'est avec lui qu'il faut marcher, c'est avec lui qu'il faut avancer. Et ce n'est pas forcément avec nous. Nous, nous sommes des voix, nous crions. Voilà, nous sommes à rien, nous sommes de la poussière, nous sommes à rien du tout sans Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui fait tout, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui amène les gens à se baptiser, celui qui fait toutes les œuvres que vous voyez ici et là, toutes ces foules qui sont attirées ici et là. Nous n'y sommes pour rien. Ce n'est pas parce que nous jeûnons beaucoup, nous prions beaucoup. C'est tout simplement la grâce du Seigneur. Sans son Esprit, nous ne ferions rien. Donc c'est lui qui convainc vos cœurs aussi pour participer à l'œuvre qui se fait, tout ça là. Donc toute la gloire doit être rendue au Seigneur seul. Voilà le message, frères et sœurs. Que Dieu vous garde, qu'il vous euh, console, qu'il console vos foyers, vos familles, vos parents et ceux qui sont éprouvés. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Laissons nos cruches, laissons nos fardeaux au pied du Seigneur. Recevons sa parole à lui et donnons-lui les choses qui nous retiennent en ce monde comme la femme samaritaine. Le Seigneur lui donne moins ce taux. Parce que le Seigneur avait un échange de l'eau pure, de l'eau intarissable, dont la source était intarissable, de l'eau, mes amis, qui guérit, qui sauve, comme il a dit dans Jean 7, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous avons besoin de cette eau aujourd'hui, frères et sœurs. Jésus-Christ revient. Voilà le message que nous voulons vous transmettre. Préparons-nous à son retour. Qu'il vous garde. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen.